DOD. De retour YouTube, on continue l'aventure. Alors, on m'avait dit que je devais aller au nord-est. Ah non, il y a un point rouge. Ah non, c'est moi. Nord-est, faut que j'aille au nord-est. On va revoir un petit peu ce qu'on avait fait avec... C'est bon... je regarde un petit peu si on n'a pas oublié des trucs. Cercle mitrailleur, roche, non c'est bon. T'as pas d'autres armes toi, fusil automatique, t'as pas... Ah, cercle mitrailleur, voilà. Du coup, il va falloir que je m'occupe de tes matériens. On va mettre les deux, on va les pecs, hein, de toute façon. Et toi, mon cher Cloud, cercle mitrailleur. Pendentif étoilé, vitalité, protège de poison, poison, je pense pas. De toute façon, on va pas le jouer lui dans les minutes qui viennent, il me semble, si je me rappelle bien. Puisqu'on va faire un gros flashback. Premier combat. Oh putain, faut pas le voler lui. What ? Je te fais zéro. Ah mais c'est parce que je dois avoir un truc sur mon arme qui fait du immonde. On va checker ça un petit peu, je crois que j'ai le matériel. Ah j'ai le poison, putain ça fout bien ça. On va enlever le poison je pense. Non, on va le laisser en fait. Non. Osef, on s'en fout de toute façon, ça va pas durer longtemps. Ouais, on va laisser. Ça y est, j'y suis. Allons-y, coude. On va voir un petit peu ce qui se trame ici, hein, quand même. On va essayer. Bonjour. Attendez, je mets juste IRC ici, tout de même, histoire de pouvoir voir. Ouais. Machine à développer ma coupe. Comment vous êtes en train de tuer la planète, bande de bâtards. Ah, c'était tonton Sefi, je pense. On va à l'auberge cache, on continue la storyline. Coude ! Je suis en retard. Allez, moment flashback, on s'installe bien et on lit. Il parlait peu de lui. Une sorte de modèle. Jusqu'au jour. Faut suivre hein, parce que c'est un des moments les plus longs hein, du jeu, je crois. Après la guerre, il était du devoir du soldat de vaincre toute résistance à la Chine. C'était il y a 5 ans, j'avais 16 ans. Ça veut dire qu'il a donc 21 ans. 21 ans, il est mort, c'est bien ça. Hé, Koumen, ça va ? Attendez, je refais la scène de région. Parce que c'est dégueulasse. Il y a une petite bande noire. Ah ouais.
C'est mieux comme ça. Merde. Je suis un peu petit là quand même. Voilà. Sephiroth, il a une bouche à bite, un peu. J'ai toujours pas d'ombre, une mission importante, un peu pour Mafia. Notre vision, il étudie un vieux réacteur Mako. Projeter des créatures brutales. Mako qui est l'énergie vitale de la Terre. C'est important pour la suite. Donc, Sephiroth, il est là pour résoudre les problèmes. On va jouer Sephiroth, j'ai trop hâte! Putain. Alors, on fait une pause. Oh! Ok. Bon bah... Ah d'accord, donc je ne fais rien en fait. Hein. Cloud, il va mourir masse. Ah, bah on recommence. D'accord, c'est Sephiroth, très bien. Ok, très bien. Bon. C'est fier. Ok, c'est un peu la classe, hein, c'est fier. C'est fier. Tu m'étonnes, tu peux être fasciné quand même de sa façon de combattre à ses filles, hein, parce que. Il a quand même un putain de sabre, sa maman. Hein. Regardez, il est trop classe. Qu'est-ce qu'il est classe. Alors, pour tous les jeunes hein, qui. En train de se dire ouais c'est trop moche et tout, ce jeu est sorti en 1997, il a tout simplement tout révolutionné, c'est un des jeux qui a le plus buzzé, c'est comme si putain je trouve pas d'équivalent en fait au jour d'aujourd'hui, un équivalent au jour d'aujourd'hui qui aurait eu le même impact que FF7. Ah, Resident Evil, c'est aussi vieux, hein. Les gars. Skyrim? Même plus que Skyrim, je suis désolé. Hein. Parce que The Elder Scrolls, il y en avait aussi. Hein. Morrowind, tout ça. Enfin, il y a eu masse. Hein. Warcraft. Non, mais équivalent aujourd'hui, les mecs qui me sortent Tomb Raider, j'ai envie de vous baffer. Tomb Raider, c'est pas sorti il y a un an. Les gars, on se réveille un peu. On fait des enquêtes. Hein, on se renseigne un peu. On n'est pas des gamers passifs. Ça pue Mako, très bien. Bon bah je go. Warcraft 3, c'est très très vieux aussi. Hein. Très très vieux. Hein. The Last of Us.
pense que FF7 est encore un peu... Ouais, remarque, je sais pas. Très curieux. GTA. Non, plus que GTA. Plus que GTA. FF7. Non, pareil dans les infos d'FF7. Au journal télévisé de 20h. Pendant 3 jours, on a parlé de FF7. C'est un truc de ouf. FF5. Un truc de ouf. Partons pour le réacteur à l'aube ensuite. Et surtout, endors-toi tôt. Vous vous rappelez ici, c'est le fameux petit moulin où il y a eu Tifa et Cloud qui se sont fait la promesse. Cloud, il a fait la promesse à Tifa de toujours la protéger. Trop mignon, friendzone, tout ça. C'était ici. Il me semble. Bon, oh, fait chier, on continue. Y a pas des matériaux ici? Materia. Oh, de toute façon, je les garderai pas. Car. Allez, on continue la storyline. Où est Sephiroth? Il est à l'étage, toi. Là, je fais vraiment tunnel vision. J'ai loué les services. Je suis un vicelard parce que quand j'ai lu, j'ai loué les services d'une femme. Bref. Bref, bref, bref. Tifa! La fameuse photo. Ah, comme Zelda Ocarina of Time, ouais. Qui avait été élu d'ailleurs dans un Guinness des records meilleur jeu à demande. Qui a fait le plus de ventes et tout, machin, je sais pas quoi. Comme Ocarina of Time alors. Mais si vous connaissez pas FF7, je sais pas si vous connaissez Ocarina of Time. Enfin, vous connaissez peut-être, mais je sais pas si vous y avez joué. Attention, cinématique, on ferme sa gueule. Je m'installe. Yalla. All bad. Attendez, attendez, je veux voir le stuff de Sephiroth. Niveau 50. Ranimer, restaurer, maître, maître, maître. Terre, maître. Avec une matériel all maître. Feu, maître.
Foudre maître, glace maître, materia hall maître. Oh putain le porc. Vas-y donne, bâtard, donne. Donne tes materia. Ça fait hein. Donne tes materia, bâtard. Bon, ok. Donne ton arme. Pas la Manamune, Manamune, c'est Masamune. L'épée de Sephira. 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 Trop la classe. Déjà, je pensais que c'était beaucoup plus long que ça. La fontaine de Mako. Ouais, c'est beau, mais faut pas y aller. Hein. Philippe, fais pas le con. Connaissance, la chaise ancienne, c'est une dans la matière. Quiconque possède cette connaissance peut finalement utiliser les pouvoirs de la Terre et de la planète. Ça explique tout. Ça explique tout. Cette connaissance interagit entre nous et la planète en faisant appel à la magie. Enfin, comme il dit. Les décors hein, qui étaient vraiment ultra fucking beaux pour l'époque. Et c'est ici que tout va partir en couille normalement. Attention. Masse la merde. Ça me rappelle pas quelque chose hein, ce setup. Merde, il se met où? Ah oui, c'est là. Attends-moi, c'est fini. Génova.
cool. Attention les yeux. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Sephiroth niveau 50, 3574 HP avec des matérias maîtres, est en train de se vénère contre des réservoirs avec où il y a des monstres. Et tu es Cloud à côté de lui, level 1, 140 HP. Je pense pas que je reste ici. Je pense que je m'arrache vite fait. Si mon ego hein, comme ça hein. Ouais, écoute, arrête de m'interrompre. Ah, c'est bon, les guerriers. Et voilà, ça y est, j'ai enfin fait le jeu de mots qui m'a coûté le rename de Cloud. Je voudrais bien lui mettre mon poing dans la figure. Good. GG, well played. GG tout ici. GG. Il n'a même pas essayé de me parler. Il a disparu. Ah ouais. C'est ici qu'il y a Odin, non ? Je dois jouer du piano aussi. Oui, du piano aussi. Ah mais je veux le piano d'abord. Il est où le piano? Il y a un truc avec le piano il me semble. Piano. Piano. Il est où? Piano. Piano.
pas là. On va quand même te visiter. Hein. Ah putain, la combi. Ok, là je vous rappelle qu'on est dans un flashback, hein, donc c'est pas le vrai truc, mais ce coffre là va me faire chier. Putain. Jésus, c'était RPG après tout. J'ai trouvé toutes les saloperies. Comment ça, je descends pas? Si, je descends. Comment ça, je remonte? Qu'est-ce qui se passe? Vincent? Mais c'est pas maintenant, Vincent, dans le flashback! Qu'est-ce que vous me racontez? Va chez Tifa. Ok, 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 ok. Ok? Gros noob. Oh, bah, va te faire niquer, tiens. Je vais en bas. Voilà. C'est pas grave, mec. Mais non, c'est pas grave. Bah, tu me parles meilleur déjà. Ouais. Manifestement. Faut voir ton livre. Lis les dialogues. Bah moi je les lis les dialogues. Désolé. Ça brille ça un peu. Qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est fini, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est fini. Ah bon? Très bien.
Ça, c'est la musique ou c'est la merde? Scène mythique. Là, tout le monde la ferme et tout le monde regarde. Putain. Cette scène-là en 97. Putain de merde, quoi. Le mec, trop la classe de ouf. Il est trop classe. Il est beaucoup trop classe. Il a jeté un regard, il s'est retourné. Tout le monde a fermé sa gueule. Tout le monde a fermé sa gueule. Moi aussi, j'ai fermé. Son épée, si tu veux, donc faut pas s'appeler Scooby-Doo pour faire le lien de cause à effet, quoi. Hein. Une épée par terre, elle appartient qu'à un seul mec. Du coup, c'est forcément lui. Ah, t'es mort? Eh, t'es mort? Non, sérieux, t'es mort? Shut up, bitch. Eh oui, Tifa est morte. Alors, je déconne. Il a juste dit ça histoire de. T'as vu? Il le pensait pas vraiment. Oui, bon, ça va. C'est Sephiroth quand même. Je veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis level 1. Faut one shot. Oh.
l'histoire, le but de Sephiroth est justement de trouver cette terre promise, mais a un coût un peu particulier, c'est de la planète, en fait. Il veut utiliser la planète pour aller vers la terre promise. Pas cool. Et je les lis les dialogues, les gars, vous êtes... Vous êtes lents, hein, vous êtes des lecteurs lents. Faut lire plus. Okay. La tristesse de voir comment prenait ma ville. Je peux vous faire la lecture, ça. Pour la rendre Cetra, donc. Ah oui, c'est une Cetra aussi, si on bien suit le truc. Évidemment, je connais toute l'histoire, mais bon, je vais pas vous spoil, hein, ceux qui connaissent pas. Bon, là par contre, malheureusement. Ouais, mais c'est Yendo Match là. De ma force, je n'ai pas pu le tuer sans rec. Officiellement, Sephiroth est mort. Oui, oui. Je veux savoir ce qui s'est passé. Et je suis vivant, pourquoi m'a-t-il pas tué? Moi aussi, je suis vivant, donc putain, merde, trop merde. Nibelheim à Midgar. On l'a vu d'ailleurs. Et qu'est-ce qui lui manquait à la mère Genova quand on l'a vu dans le réacteur à côté du professeur Hojo? Ah, il lui manquait sa tronche. Ouais. Je pars, je suis parti. Attends. Tu sais de quoi je parle. OK. Il y a une personne sur l'IRC, donc je dis ça pour les youtubeurs, qui vient de dire c'était un rêve. Et je sais pas quoi répondre. Oh my god! Oh putain, hey, tu m'as tué. Il m'a tué, le mec. Ah, il m'a tué. La vache. Ah, putain. Je... Les anciens Cetra, Genova, Sephiroth et moi-même. Allons-y, Barrett nous attend. Et le clébard est là. Quelle histoire fascinante. Sauf que Nanaki... non, allez, je spoil pas. Mais Nanaki, il est un petit peu spécial.
En fait, tout le monde est chabite et Nanaki il est perché. Je dis juste ça. PHS. Ah oui. Je vais sauvegarder. Couper la VOD. Pour faire le prochain morceau. Allez, on la save. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va continuer. On va aller revoir un petit peu tout ça. En compagnie de nos amis Cloud, Barrett, Nanaki, Harris et Tiffo. Sur les traces de Sephiroth, les réacteurs Mako. Et de cette pute de Shinra. Rendez-vous dans le prochain épisode.